profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Qui a entendu parler de cette ville ? Il se pourrait que quelque chose d'horrible s'y soit passé. Cette ville, personne ne semble s'en souvenir, et il se pourrait qu'il lui soit arrivé quelque chose d'horrible. Apparemment, il existait autrefois une ville appelée Corona, dans le nord de la Suède, mais nous l'avons tous oubliée. Je suis officier de police et je travaille à Kalix, une municipalité proche de l'endroit où la ville perdue de Corona est censée se trouver. À cet endroit, il n'y a aucun signe de la ville, seulement une forêt dense. Mais certains détails liés à ma propre famille me donnent la certitude que cet endroit a bel et bien existé. Le monde entier l'a simplement oublié. Je ne peux pas imaginer comment ni pourquoi, mais c'est la seule conclusion à laquelle j'ai pu parvenir. Pour moi, tout a commencé lorsque deux cueilleurs de myrtilles roumains sont venus dans mon petit bureau pour me signaler quelque chose qu'ils avaient trouvé au plus profond de la forêt dense. Ils ne connaissaient pas suffisamment le suédois ou l'anglais pour expliquer exactement ce qu'ils avaient trouvé, mais j'ai tout de suite compris que cela les avait complètement terrifiés. D'après ce que j'ai compris, il s'agissait apparemment d'un cadavre humain. Finalement, après avoir fait appel à un interprète de la ville voisine de la mienne, ils ont révélé qu'ils étaient tombés sur un enfant mort, âgé d'une dizaine d'années tout au plus. Ils nous ont conduits, moi et deux de mes collègues, suivis d'une ambulance, à l'endroit où ils avaient trouvé l'enfant. Le soleil se couchait derrière un épais brouillard lorsque nous sommes arrivés. J'ai allumé une cigarette pendant que nous quittions la route principale pour nous enfoncer dans la forêt, à l'endroit où l'enfant était censé se trouver. Je me sentais un peu mal à l'aise de devoir m'occuper d'un enfant mort, mais j'avais déjà traité des cas de ce genre, des accidents de voiture, et je ne me sentais pas trop affecté par cela maintenant. C'était un travail comme un autre. Du moins, c'est ce que je pensais. Les Roumains se sont arrêtés lorsque nous nous sommes approchés et ont refusé d'aller plus loin. Il y avait de la panique dans leurs yeux, plus que je ne m'y attendais, même dans ces circonstances extrêmes. L'un de mes collègues est resté avec eux, tandis que le reste d'entre nous continuait. Nous sommes bientôt tombés sur un énorme rocher qui avait été placé là par la calotte glaciaire qui recouvrait l'Europe à l'époque glaciaire. Mon collègue l'a contourné et quelques instants plus tard, il est revenu en courant, pâle comme s'il avait vu le diable en personne. Il s'est baissé et a vomi devant moi. Il a dit « C'est de l'autre côté, putain de merde !» Je ne lui ai pas posé de questions. Je me suis contenté de vérifier par moi-même, suivi par les médecins. Ce que nous avons trouvé de l'autre côté du rocher, ce n'était pas naturel. La moitié de l'enfant, une petite fille blonde, avait fusionné avec le rocher, comme si elle l'avait traversé comme un fantôme et s'était soudain transformée en humain avant d'avoir eu le temps de sortir du rocher. Ou bien, comme l'a fait remarquer plus tard mon collègue, c'était comme si elle avait été téléportée dans le rocher. Le regard triste et mort de la jeune fille vers la forêt semblait raconter l'histoire d'une tragédie inconnue des vivants. Les médecins ont rapidement détourné les yeux en silence, horrifiés par le sort qu'elle avait dû subir. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. Je n'ai jamais été religieux, mais cette expérience m'a fait douter de tout ce que j'avais cru jusqu'à présent. Et je ne parle pas seulement de la façon bizarre dont la pauvre fille avait perdu la vie, à moitié engloutie par le rocher. Il y avait aussi quelque chose d'autre à propos de la fille. Quelque chose qui m'a fait me sentir complètement vide à l'intérieur, comme si on m'avait arraché un morceau de mon âme, laissant un trou vide dans mon cœur qui s'est rapidement rempli d'une tristesse que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était un sentiment épouvantable, encore aggravé par le fait étrange qu'une petite partie de moi reconnaissait la fille. Son visage était comme le vague souvenir d'un rêve récemment oublié. Nous nous sommes rassemblés et avons commencé à parler, essayant de comprendre la situation sans succès, pendant que les médecins s'approchaient du corps. J'ai essayé de me concentrer sur les faits pendant que nous examinions la scène. La jeune fille portait une veste rose. Dans l'une des poches, nous avons trouvé une fleur étrange. Ses couleurs étaient exotiques et ressemblaient aux ailes d'un coléoptère,
et une carte de bibliothèque jaune avec un texte qui nous a laissé perplexes. La bibliothèque de Corona, y était-il écrit. La jeune fille avait également écrit son nom sur la carte. Quand je l'ai vue, mon monde s'est retourné. Isabella Lexelius était écrit avec l'écriture enfantine de la jeune fille. « Ce n'est pas ton nom de famille ?» a dit mon collègue. « C'est... Je ne savais pas quoi dire ou penser. « Eh bien, tu la connais ou quoi ?»« Je ne sais pas, non, je ne l'ai jamais vue de toute ma vie. Ce doit être une coïncidence. » C'est une sacrée coïncidence, alors. Je n'ai pas répondu. Il y a aussi quelque chose sur le sol. A dit l'un des infirmiers. Sur la mousse tachée de sang sous la fille, il y avait un carnet. Il a dû tomber de sa main, celle qui pendait mollement au-dessus du livre. Je l'ai ramassé et je l'ai ouvert. Les pages étaient couvertes de petits textes, écrits d'une autre écriture que celle de la jeune fille. Bon, nous allons devoir apporter des outils pour la découper. Dit l'un des infirmiers. « Oui, » dis-je distraitement. « Il y a encore une chose à faire. » J'ai mis le livre dans un sac de preuves en plastique. « Quoi ?»« Il y a trop de sang. » L'infirmier a pointé le sol du doigt. « Comment ça, il y a trop de sang ?»« Sous le rocher, monsieur. Il est impossible que tout ce sang provienne d'un enfant. » a expliqué l'infirmier. Un moment de silence, puis j'ai dit « Nous devrons revenir ici avec de meilleurs outils. » Un jour plus tard, nous avons réussi à retirer le haut du corps de la fillette et à le ramener à la morgue où il a été examiné. Nous avons également essayé de soulever le rocher à l'aide d'une grue, mais il n'a pas bougé. Au lieu de cela, nous avons creusé un trou sous le rocher, mais nous n'avons pas trouvé d'autre partie du corps. Tout ce que nous avons pu faire ce jour-là, c'est de prélever autant de sang que possible. Pendant l'examen du corps, j'ai lu le carnet. Il contenait l'histoire de la ville de Corona. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'une fiction, une histoire dérangée écrite par un homme qui, selon moi, avait dû tuer la jeune fille, jusqu'à ce que le laboratoire médico-légal m'appelle il y a quelques semaines. J'ai encore du mal à y croire, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ils ont testé l'ADN de la jeune fille et l'ont comparé au mien en raison de son nom de famille. C'était mon idée. Car je ne voulais pas que l'on me soupçonne. Nous pensions que cela ne révélerait rien, mais c'est le cas. La petite fille d'une dizaine d'années, Isabella, était ma fille. J'étais sûr que ce n'était pas possible. 10 ans plus tôt, je vivais avec mon ex-femme. Je ne l'ai jamais trompée et je n'ai certainement pas eu d'enfant avec elle. Nous sommes restés ensemble pendant encore 5 ans, et j'aurais donc su si elle avait eu un bébé pendant cette période. Et pourtant... Le test n'a rien révélé d'anormal. Voici une transcription du carnet de notes. Je l'ai transcrit en espérant que quelqu'un se souviendra de la ville de Corona. Voici ce qui se trouvait à l'intérieur du carnet. Je m'appelle Elena Fredrickson. Il y a 5 ans, j'étais une personne différente. J'étais plus jeune à l'époque, non seulement dans le sens ordinaire du terme, mais aussi dans l'esprit. Il y avait de la joie dans ma vie et j'avais des espoirs et des rêves. Tout cela a disparu maintenant. Je n'ai pas beaucoup de temps pour écrire, mais je vais essayer d'expliquer ce qui nous est arrivé à toute notre communauté du mieux que je peux. L'événement, comme nous l'avons appelé, s'est produit le 9 juillet 2013. J'étais en visite à Corona pour la journée afin d'emmener ma nièce Isabella à l'inauguration du Red Grove, le nouveau parc d'attractions de la ville. Il était censé être le plus grand de Suède, et Isabella avait supplié ses parents de venir à l'inauguration, mais aucun d'eux n'avait pu le faire en raison du travail. Ils m'ont donc appelé et m'ont demandé de le faire pour eux. J'étais leur personne de référence lorsqu'ils avaient besoin d'aide avec Isabella, la seule en qui ils avaient confiance. Comme j'aurais aimé que ce ne soit pas le cas maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé. Nous sommes arrivés assez tôt, quelques heures avant l'ouverture, afin de ne pas avoir à faire la queue toute la journée pour entrer. Le temps était magnifique. Il avait plu plus tôt dans la journée. Nous étions donc un peu inquiets, mais lorsque nous sommes arrivés en ville, il n'y avait pas un nuage en vue. Isabella n'arrêtait pas de parler du plaisir que nous allions avoir, et cela me faisait chaud au cœur de la voir si heureuse. Il nous a fallu un peu plus de temps que prévu pour arriver au parc d'attractions, car l'une des rues principales avait été fermée pour un défilé militaire. Cela ne nous a pas dérangés outre mesure, mais a plutôt renforcé le sentiment de fête qui régnait dans l'air.
Pour éviter le défilé, nous avons dû prendre un bus jusqu'au centre-ville, la place Freya. Et de là, nous avons dû prendre le métro jusqu'au centre d'affaires Yellow Neutral, les plus hauts gratte-ciels de Suède. De là, nous pouvions nous rendre à pied jusqu'au Red Grove. Il y avait des gens partout. Il s'est avéré que beaucoup d'entre eux avaient pris un ferry qui descendait la rivière et dont je ne connaissais pas l'existence. Cela signifiait que nous devions finalement faire la queue. Isabella n'y voyait pas d'inconvénient, mais je savais qu'elle aurait bientôt faim et je craignais que cela ne gâche son humeur. Heureusement, il y avait un homme qui vendait des hot dogs dans un chariot qu'il poussait dans la file. J'ai acheté un hot dog et un soda pour Isabella. Ses parents n'aimaient pas vraiment que je lui achète de la malbouffe, mais un jour comme celui-ci, je pensais qu'il comprendrait. L'homme vendait aussi des ballons rouges aux enfants. Isabella a dit qu'elle en voulait un. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle devrait l'avoir toute la journée et qu'il y aurait d'autres ballons dans le parc d'attractions. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. À contre-cœur, je lui ai acheté un ballon à elle aussi. À ce moment-là, personne ne savait que leur vie allait changer en quelques minutes. Isabella a accidentellement lâché le ballon. Je craignais que cela ne la rende triste, mais cela n'a pas eu l'air de la déranger outre mesure. Nous avons regardé le ballon s'élever dans les airs et s'éloigner. Bientôt, il n'était plus qu'un point rouge dans le vaste ciel bleu. Puis, soudain, il a disparu. « Il est allé où ?» me demanda Isabella. Je ne pouvais pas l'expliquer, il avait tout simplement disparu. « Je ne sais pas, » ai-je dit. « Peut-être qu'il a éclaté ?» Mais quelque chose, un sentiment de malaise que je n'arrivais pas à expliquer, m'en a fait douter. Quelques minutes plus tard, des vents violents ont soufflé de toutes parts. Il y avait une odeur qui me rappelait quelque chose de pourri. « Burke !» a dit Isabella, dont les longs cheveux blancs s'envolaient dans le vent. « C'est quoi cette odeur ?» Je lui ai serré la main plus fort. « Je ne sais pas, » ai-je dit. Les gens ont regardé autour d'eux, confus, et leurs voix joyeuses sont devenues inquiètes. Il se passait quelque chose, mais personne ne savait ce que c'était. Des sirènes ont retenti au loin, semblant provenir du groupe d'entreprise. « Oh mon Dieu, le sommet de l'immeuble a disparu !» dit une femme en pointant du doigt les gratte-ciel. Ce n'était pas si facile à voir, mais elle avait raison. Le sommet de l'immeuble le plus haut avait disparu, comme s'il avait été coupé au couteau. Isabella était trop petite pour le voir, mais elle a compris que quelque chose n'allait pas en regardant les visages de tout le monde, et elle a commencé à s'inquiéter à son tour. « Je crois qu'il faut qu'on s'en aille d'ici, » ai-je dit en suivant mon instinct. « Je ne pense pas que l'endroit soit sûr. » Isabella s'est mise à pleurer. « Mais l'ouverture, c'est pas... »« Nous reviendrons plus tard, ma chérie, » ai-je dit en m'éloignant de la foule avec elle. L'un des ferries était sur le point de partir. Nous sommes rapidement montés à bord. Quelques autres nous ont rejoints, mais la plupart des gens sont restés sur place dans l'espoir que tout s'arrange. Isabella a pleuré, mais elle n'était pas en colère. Alors que le ferry s'éloignait lentement de la promenade du bord de l'eau, une sorte d'agitation a éclaté parmi la foule sur la terre ferme. Je ne pouvais pas voir ce qui se passait, mais tout à coup, tout le monde a crié de terreur et a essayé de courir vers l'eau. Ils fuyaient manifestement quelque chose, mais je ne voyais pas ce que c'était. Tout ce que j'ai vu, c'est que les gens se marchaient dessus en essayant de sauter dans la rivière et de s'enfuir à la nage. C'était un spectacle horrible. Et je suis heureuse qu'Isabella n'ait pas été assez grande pour voir par-dessus la balustrade. Ensuite, les sirènes du système d'alerte d'urgence ont commencé à émettre leur son sinistre de catastrophe imminente. Tout le monde posait des questions auxquelles personne n'avait de réponse. La plupart des gens que j'ai entendus pensaient que nous étions attaqués, soit par des terroristes, soit par les Russes. J'ai sorti mon téléphone pour appeler mon frère, mais il n'y avait pas de signal. J'ai aussi essayé avec le téléphone d'Isabella, mais sans succès. Je me suis vite rendu compte que personne n'avait de réseau. Sur les rives du fleuve qui traverse la ville, les gens regardaient par leurs fenêtres pour essayer d'apercevoir ce qui se passait. Mais la seule chose qu'ils voyaient, qui sortait de l'ordinaire, était le bâtiment coupé en deux dans le quartier d'affaires de Yellow Neutral. « Regarde, j'ai jamais vu un oiseau aussi grand !» dit Isabella en montrant le ciel. Une énorme créature ressemblant à un oiseau s'éleva au-dessus de nous. Il faisait nuit noire. Bien qu'il soit impossible de l'affirmer avec certitude, il semblait aussi confus de nous voir que nous le voyions. Il a fait plusieurs fois le tour du centre-ville avant de s'envoler à nouveau.
La vue de l'oiseau géant, ou de ce qu'il était vraiment, a transformé notre confusion anxieuse en terreur. Nous ne savions toujours pas ce qui s'était passé, mais nous savions maintenant que cela n'avait rien à voir avec des terroristes ou une puissance étrangère. C'était quelque chose d'autre, quelque chose d'impossible à croire et en même temps impossible à nier. Le ferry nous a déposés un peu plus loin sur la rivière, près de la place Freya. Les gens semblaient paniqués, même si personne ne savait ce qui se passait. Certains préparaient leur voiture pour fuir la ville, d'autres couraient quelque part, peut-être pour retrouver leurs proches. Mais la plupart des gens s'agglutinaient autour des policiers, des employés municipaux ou du personnel militaire du défilé pour essayer d'obtenir des informations. Mais ils n'ont obtenu que la même réponse, encore et encore, criée de manière à être entendue par-dessus les sirènes du système d'alerte d'urgence, que rien n'était connu et qu'ils devaient rentrer chez eux et écouter la radio pour obtenir plus d'informations. Comment peut-on écouter la radio quand il n'y a plus d'électricité ? Regardez autour de vous, il n'y a pas de courant. La voix vient d'une vieille femme. Elle avait complètement raison. Rentrez chez vous, fermez vos fenêtres et attendez que le courant revienne. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais le plus sûr est de suivre la procédure. Dit un policier. Il est interrompu par ce qui se passe à quelques mètres de là. La première personne qui avait tenté de quitter la ville, un homme sur une moto bruyante, était revenu. Je portais Isabella, la réconfortant en même temps que j'essayais d'entendre ce que l'homme à moto essayait de dire à tout le monde. J'ai poussé pour me rapprocher de lui. Il a marché jusqu'au centre de la place et est monté au pied de la statue de Freya. Peu de gens le croyaient, mais tous ceux qui avaient vu la créature dans le ciel ne doutaient pas qu'il disait la vérité, même si cela semblait impossible. « Il n'y a pas d'issue !» cria l'homme. « La route principale coupe à la limite de la ville et... il n'y a que la jungle. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Nous sommes entourés d'une jungle dense, épaisse, et il n'y a aucun moyen de la contourner. « Alors c'est vrai !» murmure le policier à côté de moi. « Pour l'amour de Dieu, tout était vrai. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Tout d'abord, il n'a pas voulu répondre à ma question. Mais lorsqu'il a vu ma confusion et les larmes dans les yeux innocents de ma nièce, il s'est tourné vers nous et m'a expliqué calmement. « Avant de perdre le contact avec l'hélicoptère qui surveillait le défilé, le pilote a dit quelque chose qui n'avait aucun sens. Il était en train de s'écraser. Quelque chose avait coupé les pales de son rotor. Et il a dit que tout avait changé d'une manière ou d'une autre. La vue avait changé. Avant de toucher le sol, il a crié qu'il avait vu une jungle à l'ouest et un océan à l'est. » Les rapports se multiplient, et bien qu'il soit impossible de distinguer les rumeurs des faits, ils racontent tous la même histoire. Le monde entier autour de la ville a été remplacé en un instant. La ville était la même, mais le ciel au-dessus d'elle ne l'était pas. Finalement, les sirènes hurlantes se sont tues, les voitures ont cessé de klaxonner, et la cacophonie des voix s'est éteinte. Un silence étrange s'est abattu sur la ville. La sensation était irréelle. Je ne savais pas ce que cela signifiait. J'ai essayé de l'expliquer à ma nièce, mais elle n'avait que 5 ans et ne pouvait pas comprendre. Elle voulait rentrer chez ses parents et je ne savais pas quoi lui dire. Elle était fatiguée et avait besoin de se reposer. Alors je suis allé dans une auberge de jeunesse à proximité et j'ai payé une chambre. Bientôt, l'économie de la ville allait s'effondrer. Mais pour les premiers jours dans ce nouveau monde inconnu, les gens acceptaient encore de l'argent comme un moyen de paiement. Ce qui a suivi, ce sont 5 années d'épreuves et de difficultés sans fin. Un combat permanent pour la survie, sans espoir d'aide ou de secours. Tout a commencé lors de la première nuit. Le soleil, identique au nôtre mais nouveau et étrange, se trouvait au nord, au lieu de l'ouest, et était remplacé par des étoiles méconnaissables qui couvraient tout le ciel. En les regardant depuis la petite fenêtre de notre chambre, je n'ai pas ressenti de l'admiration, mais plutôt un sentiment de perte totale. Le sentiment le plus étrange durant toutes ces années a dû être la sensation paradoxale de familiarité dans les rues, mêlée à la conscience d'un déplacement total. Je pense que c'est en partie pour cette raison que les gens restaient près du centre-ville, pour se noyer dans l'illusion d'être chez eux, même s'ils savaient au fond d'eux-mêmes qu'ils ne pourraient pas échapper à leur destin d'échouer dans l'inconnu. Puis, en me penchant par la fenêtre, j'ai entendu des bruits. Des gens qui criaient, des coups de feu, des voitures qui roulaient à toute allure dans les rues sans savoir où aller, et de temps en temps,
des hurlements étranges qui me glaçaient le sang. Je n'ai jamais rien vu de ce qui s'est passé cette nuit-là, mais cela a changé la population. Plus de 2 millions de personnes, pour toujours. J'ai fermé la fenêtre et je me suis caché derrière le lit avec Isabella. Elle voulait appeler sa mère, mais j'ai gardé ma main sur sa bouche tremblante. La nuit suivante a été plus calme, probablement parce que personne n'osait s'aventurer dehors. Au fil des jours, je me suis vite rendu compte que la menace ne venait pas de la jungle inconnue à l'extérieur de la ville, mais des gens qui s'y trouvaient. Il était impossible de savoir combien de crimes étaient commis, mais vu ce que j'avais vu de mes propres yeux, pillages, vols et même meurtres, je me suis dit que le taux de criminalité avait dû augmenter considérablement. Cependant, ce n'était pas l'anarchie totale. La police et quelques unités militaires présentes en ville pour le défilé maintenaient un certain ordre vital dans la communauté. Comme les gens ordinaires n'avaient pas d'armes, la police et l'armée n'étaient pas menacées par le citoyen moyen. Un leader s'est manifesté, l'homme à la moto, et après quelques semaines, tout le monde a semblé coopérer pacifiquement. La nourriture qui restait dans les magasins était distribuée équitablement, et tous ceux qui pouvaient travailler semblaient le faire sans hésitation, même moi. Les scientifiques qui travaillaient à l'université au moment de l'événement n'arrivaient pas à comprendre ce qui s'était passé, mais avec l'aide de centaines de citoyens, ils ont réussi à construire une petite centrale nucléaire qui pouvait redonner de l'électricité à la ville. J'ai surtout participé à ce projet. Je ne connaissais rien à la physique nucléaire, mais j'ai fait le peu que je pouvais. C'était incroyable de voir ce dont nous étions capables en tant que peuple, et malgré mon effroi, un sentiment de fierté s'est installé dans ma poitrine. Pourtant, notre séjour dans ce monde n'a pas été simple. Loin de là. En dehors de mon problème personnel qui était de garder Isabella en bonne santé et en sécurité, ce que j'ai réussi à faire bien qu'elle ne se soit jamais sentie en sécurité, il y avait trois problèmes majeurs qui ne cessaient de s'aggraver au fil des semaines. Le premier était la situation de la nourriture et de l'eau. Certaines personnes avaient réussi à faire pousser du blé et des pommes de terre dans des parcs et sur des terrains de football, mais ce n'était pas suffisant. Nous manquions de nourriture et d'eau. Il pleuvait de temps en temps, mais très peu de gens se sentaient en sécurité en buvant l'eau de pluie. Pour résoudre ce problème et trouver des solutions à d'autres problèmes, des expéditions ont été envoyées pour explorer la jungle. Ces expéditions se terminaient généralement de la même manière, c'est-à-dire sans que personne ne revienne. Une ou deux fois seulement, quelqu'un parvenait à revenir en ville, mais il n'était plus lui-même. C'était comme si quelque chose dans la jungle avait capturé leur âme et laissé leur corps revenir sans égratignure. Le deuxième problème était la nature. Elle semblait nous avoir épargné les deux premiers mois, mais peu après avoir retrouvé l'électricité, elle s'est retournée contre nous. Il a fallu un certain temps avant que je ne le voie de mes propres yeux, mais apparemment au hasard, de mystérieuses créatures ont pénétré dans la ville. Parfois, elles la traversaient de part en part, pour ne plus jamais y revenir. Une policière, l'une des nouvelles recrues, m'a raconté qu'elle avait suivi un enfant bleu, nu, qui entrait solennellement dans la ville pour en ressortir ensuite. À d'autres moments, des monstres indescriptibles faisaient des ravages dans les rues, tuant autant de personnes qu'ils le pouvaient avant de retourner d'où ils venaient. À un moment donné, et je l'ai vu de mes propres yeux, un énorme mille-pattes, d'un blanc pur avec des centaines d'yeux rouges, a soudain surgi d'une bouche d'égout. Il a rapidement grimpé contre un bâtiment, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait, et est entré dans l'une des fenêtres du dernier étage. Ensuite, les gens à l'intérieur du bâtiment se sont mis à hurler. Quelques-uns ont pu s'échapper, mais tous les autres ont été déchiquetés. Ce n'est qu'au bout de 5 minutes que le mille-pattes est sorti du bâtiment par l'entrée, son corps blanc et segmenté taché de sang, et qu'il est tout simplement retourné dans la bouche d'égout. Ces attaques, comme on les appelait, suscitaient la peur et la panique chez chacun d'entre nous. Même si elles n'étaient pas très fréquentes, elles l'étaient suffisamment pour que tout le monde soit constamment sur le qui-vive. Le troisième problème n'est apparu que plus tard. Il s'agissait d'un problème de santé. Il n'y avait pas de modèle pour déterminer qui était touché ou non, mais certaines personnes, probablement pas plus de 1%, sont tombées malades. Cela a commencé comme une fièvre et a lentement progressé avec des mutations cauchemardesques, frappant le corps de manière aléatoire. La plupart de ces mutations rendaient les victimes handicapées et défigurées,
mais parfois, très rarement, les victimes développaient des propriétés qui leur étaient apparemment bénéfiques. Le cas le plus extrême que j'ai vu est celui d'une jeune fille qui s'est fait pousser un troisième œil au milieu de son front. L'iris du nouvel œil scintillait de couleurs étonnantes, et la jeune fille affirmait qu'elle pouvait utiliser cet œil pour voir les émotions des autres. Au début de la crise sanitaire, les malades étaient maltraités, comme s'ils étaient des monstres de la jungle. Ce traitement n'a fait qu'empirer lorsqu'il a été révélé que les créatures de l'extérieur n'attaquaient jamais les malades. À un moment donné, une foule s'est rassemblée sur la place Freya, déterminée à chasser les malades de la ville. Heureusement, l'armée y a mis un terme. En fin de compte, les malades ont été envoyés dans la jungle, non pas pour s'en débarrasser, mais pour utiliser leur immunité à la nature de ce monde. Cela s'est avéré être un énorme succès, qui a finalement résolu le problème de l'eau et de la nourriture. Ils pouvaient s'aventurer et explorer les environs, et revenir avec des fruits et des légumes comestibles, ainsi qu'avec de petits animaux ressemblant à des mammifères qu'ils chassaient. Ce fut un tournant pour nous. Et puis la chance a de nouveau frappé. Toutes les tentatives de pêche avaient échoué jusque-là, mais tout à coup, il y avait des poissons partout dans la rivière. Nous avons vite appris qu'il y avait des périodes différentes selon que le poisson était en mer ou près de la terre. Cependant, dès qu'il s'approchait de la terre, de mystérieux orages violets qui duraient des semaines tourmentaient la ville. Et pourtant, nous avons survécu. Beaucoup de gens n'ont pas survécu, bien sûr, mais la vie était possible. En fin de compte, nous avons gagné. Au cours des 5 années qui ont suivi, les catastrophes n'ont pas été si nombreuses, et notre souci de survie a éloigné la plupart de nos pensées de la maison. Même Isabella pensait de moins en moins à ses parents à mesure qu'elle grandissait. Avec le temps, la plupart des gens se sont habitués à la situation bizarre dans laquelle ils s'étaient retrouvés en juillet 2013. Beaucoup se sont suicidés, certes, mais la plupart ont choisi de continuer à vivre sur cette terre inconnue. 2 événements ont toutefois changé la donne. Tout d'abord, ce qui est arrivé à une expédition prévue en mer. Des centaines de personnes, principalement des hommes, ont décidé de s'aventurer sur l'océan à bord d'un des luxueux bateaux de croisière amarrés à côté de la ville. Cela allait être une grande aventure, et peut-être un moyen de trouver des réponses à la question de savoir où nous étions arrivés. Cela nous a tous inspirés. Des milliers de personnes, dont Isabella et moi, s'étaient rassemblées pour regarder l'immense bateau partir lentement. Cela ressemblait à ce jour, 5 ans plus tôt, où nous avions attendu l'ouverture du parc d'attractions. Nous avons tous regardé l'horizon tandis que le bateau, baptisé « l'oiseau de l'espoir », se transformait en un petit point sur le soleil couchant. Nous imaginions les aventures extraordinaires qu'ils allaient vivre et attendions avec impatience leur retour. C'est alors que quelque chose de plus grand que tout ce que nous avions vu jusqu'à présent est sorti de l'eau et a englouti l'oiseau de l'espoir. Certains ont crié, d'autres ont pleuré. C'était un coup dur pour la ville. Le simple fait de savoir qu'un être comme celui-là, un être capable de manger tout un bateau de croisière de luxe en une seule bouchée, pouvait exister, a privé beaucoup de gens de leur espoir d'avenir. L'événement suivant a été différent. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un miracle. Il s'est produit 1 mois seulement après la destruction de l'oiseau de l'espoir. Un garde militaire, un jeune homme qui n'avait que 15 ans au moment de notre disparition de la Terre, découvrit qu'en se plaçant à un certain endroit de la place Freya, il pouvait se brancher sur une station de radio spécifique de notre ancien monde. Cette station s'appelait Synthwave Mix et consacrait la majeure partie de ses émissions à ce type de musique. L'espoir revint immédiatement, mais cette fois-ci, il était différent de celui que nous avions mis 5 ans à construire en nous-mêmes. C'était l'espoir de revoir nos proches, l'espoir de rentrer chez soi. Le personnel de l'université a étudié la zone pour essayer de déterminer d'où venaient les signaux radio. Ils n'ont pas eu beaucoup de succès, mais ils ont vite compris qu'ils émanaient du sol de la place Freya. Pendant que les scientifiques étudiaient la zone, des gens ordinaires se sont présentés en masse. Ils avaient tous des radios de différentes sortes avec eux, comme des enfants transportant des animaux en peluche pour se sentir en sécurité. Dans l'espoir de se brancher sur la Synthwave Mixte,
et d'avoir un avant-goût de leur maison perdue. Bien sûr, la zone où la station de radio pouvait être entendue était trop petite, et la police a dû chasser tout le monde pour donner aux scientifiques l'espace dont ils avaient besoin. Quelques jours plus tard, les scientifiques ont placé de grands haut-parleurs au pied de la statue de Freya et les ont connectés aux récepteurs qu'ils utilisaient pour écouter la station de radio. Jour et nuit, la musique synthétique, détendue et quelque peu mélancolique, est diffusée en continu dans toute la ville. Les gens se rassemblent autour de la statue. Ils bravaient même les dangers de la nuit. C'est devenu la nouvelle tradition de notre ville, terminer la journée en se rendant à la statue et en s'asseyant autour d'elle, comme pour prier, est devenu notre pèlerinage. Ce n'est pas exactement la musique qui a attiré les gens sur la place, mais plutôt son origine. Cependant, les mélodies électroniques sont vite devenues le symbole de tous nos espoirs et de tous nos désirs. De temps en temps, les gens se levaient et dansaient, parfois en pleurant d'une joie douce amère difficile à expliquer. Cependant, ce qui nous a tous rendus silencieux et totalement concentrés, c'est lorsque les animateurs ont dit quelque chose. D'habitude, ils ne parlaient que de la musique qu'ils diffusaient, ignorant complètement qu'une ville entière pleine de gens les écoutait presque religieusement. Mais en de rares occasions, ils parlaient du monde extérieur. À ces moments-là, nous avions l'impression que nos cœurs s'arrêtaient collectivement dans l'expectative. Allaient-ils parler de nous, de leurs efforts pour comprendre où nous étions tous allés, et comment allaient-ils nous ramener ? Mais il n'y a jamais eu de nouvelles de nous, comme s'ils nous avaient déjà oubliés ou n'avaient jamais rien su de nous. Le destin tragique de la ville de Corona n'a jamais été évoqué. Pourtant, nous n'avons jamais perdu notre destin. Cela a pris beaucoup de temps, et je me rapproche de l'époque actuelle. Mais finalement, les scientifiques ont décidé qu'il valait la peine de creuser un grand trou à l'endroit même où les ondes radio semblaient jaillir du sol. Ce n'était pas une tâche facile ni sans danger. Le travail a duré des semaines. Une fois de plus, nous avons tous aidé. Personne ne savait vraiment ce que nous cherchions. Nous savions seulement qu'il y avait quelque chose. Lorsque nous avons atteint le fond, là où la roche était trop dure pour être creusée, une montagne de terre recouvrait toute la place. Nous avons découvert que tous nos efforts n'avaient pas été vains. Juste en dessous de l'endroit où les ondes radio avaient été captées, il y avait un petit trou dans la roche. On a demandé aux gens de ne pas s'en approcher, pendant que les scientifiques l'examinaient. Ils ont d'abord essayé de mesurer la profondeur du trou. Cela a pris du temps, car il était difficile de trouver une corde assez longue. Finalement, la profondeur a été estimée à environ 700 mètres. Ensuite, on a envoyé du matériel attaché au bout de la corde, et à la surprise générale, tout ce qui a été envoyé a été englouti par le trou. Bien sûr, personne ne savait où le matériel était allé, mais nous pensions tous la même chose, que d'une manière ou d'une autre, il était rentré chez lui. C'était une hypothèse raisonnable étant donné que la seule chose qui sortait du trou, les ondes radio, provenait de la Terre. Nous nous sommes tous réjouis de cette découverte. D'autres expériences ont été menées, et bien que certaines questions soient restées sans réponse, le consensus, même parmi les scientifiques, était que le trou était vraiment un portail vers notre propre monde. Il restait cependant deux grands problèmes à résoudre. Le premier concerne la sécurité. Chaque fois qu'un objet attaché à la corde disparaît au fond du trou, la corde était coupée, tout comme le gratte-ciel 5 ans plus tôt. Cela signifiait que quiconque entrait dans le trou risquait d'être coupé à son tour. Le problème a toutefois été résolu assez rapidement. En attachant une caméra à la corde, reliée à un écran en surface, on a découvert que la corde n'était coupée que lorsqu'elle était tirée vers l'arrière. Tant qu'elle n'était pas tirée, l'écran recevait toujours les signaux de la caméra. La caméra n'a jamais rien enregistré d'autre que l'obscurité sur ce que l'on supposait être l'autre côté. Mais comme elle a continué à fonctionner jusqu'à ce que la corde soit tirée en arrière, cela n'a pas semblé être un gros problème. Après tout, il fallait s'attendre à quelques problèmes techniques dans ces circonstances. Le deuxième problème était que le trou était trop petit pour que quelqu'un puisse y entrer. De nombreuses tentatives ont été faites pour élargir le trou, mais le substrat rocheux semblait être fait d'un matériau plus solide qu'aucune de nos machines ne pouvait déchirer. C'était extrêmement frustrant. Nous avions l'impression d'avoir atteint la ligne d'arrivée et de découvrir que nous étions incapables de la franchir. À la fin,
L'une des scientifiques a dit qu'elle voulait envoyer son fils de 10 ans dans le trou. Il était assez petit pour y entrer. La question a été légèrement débattue pendant un certain temps avant d'être approuvée. La mère a fait valoir que la ville de Corona n'était pas un endroit pour son fils et que tout indiquait que le trou était le seul moyen de rentrer chez soi. Le garçon était courageux. Il savait qu'il ne reverrait probablement jamais sa pauvre mère, mais il s'est quand même lancé dans l'aventure. On lui a donné un talkie-walkie et après avoir dit au revoir à sa mère en pleurant, il a été envoyé dans le trou noir de 700 mètres de profondeur. On lui a demandé de communiquer par radio après avoir atteint l'autre côté, pour confirmer qu'il était sain et sauf. Une fois la corde retirée, la mère a attendu que son fils se manifeste. Mais il ne l'a jamais fait. Pendant des semaines, la mère est restée assise au bord du trou, sous une chaleur impitoyable et sous une pluie battante, appelant son fils encore et encore avec son talkie-walkie. Personne ne savait ce qui s'était passé, étant donné qu'aucune autre onde radio n'avait été captée en dehors de Synthwave Mix. Il était possible que d'autres ondes radio ne puissent tout simplement pas entrer dans notre monde pour une raison quelconque. Néanmoins, les autorités ont estimé que le trou était trop dangereux pour que quiconque y pénètre. Mais cela n'a pas fait changer d'avis les gens. Le trou représentait le seul véritable espoir que nous avions ressenti depuis des années. Et compte tenu de toutes les choses horribles qui existent dans notre monde et qui peuvent nous détruire à tout moment aussi facilement qu'il nous est possible de souffler une bougie, le petit risque de passer par le trou semblait plus qu'acceptable. Le trou était gardé par la police, mais la plupart des policiers partageaient l'opinion collective de la ville selon laquelle le trou était la seule issue, pas pour les adultes, mais pour nos enfants. Et maintenant, je suis assis ici, dans la salle que j'ai payée il y a 5 ans, en train d'écrire ceci, ce carnet. Ces dernières semaines, de nombreux parents ont envoyé leurs enfants au fond du trou le soir. Ce monde n'est vraiment pas fait pour eux. Bien qu'ils puissent survivre, ils méritent mieux. C'est pourquoi, comme beaucoup d'autres, j'ai décidé de renvoyer Isabella chez elle. Je le lui en ai parlé. Elle m'a regardé avec un bonheur dans les yeux que je n'avais pas vu depuis que nous avons été transportés dans ce monde affreux et maudit. J'ai écrit ceci toute la journée. Ceci est mon témoignage sur ce qui est arrivé à Corona. Je vais donner ce carnet à Isabella. Je suis sûr qu'elle pourra le remettre à son père. D'une manière ou d'une autre, je sais au fond de moi qu'elle retrouvera le chemin de ses parents. Bientôt, il fera nuit, et j'emmènerai Isabella sur la place Freya une dernière fois. Isabella, si jamais tu lis ce carnet une fois de l'autre côté, sache que je suis très fier de toi.